conviennent. On peut mettre cela dans le pain comme M. Irité l'a dit tout à l'heure pour le consommer, comme on le fait pour les autres produits. À base de consomme avec la cuillère simplement, ça dépend pour chacun. Nous avons aussi ce produit, la pâte à tatiner Lissa Combi. Sur tout ce qu'on appelle la révolution, et c'est vrai que l'évolution qui est très visible, c'est l'évolution technologique. Mais avant d'évoluer sur le plan de la technologie, il faut bien qu'on puisse manger et savoir. Est-ce ainsi que l'Union africaine, dans le cadre de son bureau, l'IAPIRA, a décidé de faire la promotion de la production agricole en facilitant la pollinisation des plantes? Et les meilleurs animaux qui permettent la pollinisation des plantes, ce sont les abeilles. Ce sont les abeilles qui permettent la pollinisation des plantes. Et du coup, nous qui sommes dans le milieu de la recherche, nous sommes intéressés à la qualité des abeilles d'abord, puis à la qualité des produits des abeilles. Et c'est tout que on a constaté qu'il y a de très bonnes solutions dans la production la plus connue des abeilles, c'est-à-dire le miel. Et comme c'est ainsi, nous avons valorisé donc le miel à travers des publications scientifiques. Mais cela ne suffit pas, parce qu'il faut faire en sorte que non seulement la population profite de la qualité du miel, mais qu'en plus les producteurs de miel puissent vivre de leur production. Et pour que les producteurs de miel, c'est-à-dire les agriculteurs, puissent vivre de leur activité, il faut bien que cette activité, les produits, soient naturellement vendus. Et pour être vendus, vous savez que tout le monde aime le miel, mais quand on a pris un peu de miel, c'est pas évident qu'on continue d'en consommer à tout moment. Et c'est cela qu'il a été question maintenant de faire une invention. Et l'invention que j'ai faite dans le cadre de la FEDESI, elle consiste à faire en sorte qu'on s'appuie sur le miel pour produire beaucoup d'aliments qui sont très riches. Donc c'est ainsi qu'au niveau de la FEDESI, nous avons, mes collègues inventeurs et moi, nous avons un très grand nombre d'activités d'invention. Mais ici aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter des produits à base de miel essentiellement. Et du coup, le miel que nous avons, qui est produit par les abeilles, c'est tout mettre aujourd'hui dans des aliments qu'on peut consommer facilement au petit déjeuner, qu'on peut consommer facilement dans les collations et qu'on peut consommer aussi facilement dans les pauses café comme dans les repas. Et naturellement, ce sont des produits qui font du bien, parce que nous situons en deçà de la maladie. Il y a d'autres personnes qui sont dans la maladie et au-delà de la maladie. Ce sont les médecins, ce sont les thérapeutes praticiens et d'autres personnes qui, eux, sont leur objectif, c'est de soigner les maladies. Mais nous, notre rôle, c'est d'éviter qu'on tombe malade. Et pour éviter qu'on tombe malade, il faut bien qu'on puisse manger sainement. Donc, à partir de maintenant, vous avez sur le marché des produits qui sont faits à base de miel que nous, inventeurs, nous inventons, mais d'autres structures se chargent d'en faire la promotion. Et c'est cette structure-là, au niveau de nos inventions, c'est la structure d'une du miel qui a fait l'invention qui est représentée ici par Mme Dali, qui est la chargée de communication de notre entreprise. Donc, voilà. Maintenant, à partir du miel produit par les abeilles, nous avons un certain nombre de produits qui ont été faits, comment ça, qui ont été faits. Aujourd'hui, grâce au miel, dans chaque secteur de production agricole, il y a un certain nombre de dérivés. Là, par exemple, vous avez ce produit que vous voyez en bouteille, qui est tout à fait blanc, mais en fait, c'est du café. C'est du café qui est blanc, qui est fait de telle sorte qu'on puisse le mettre directement dans le pain, sans avoir besoin de l'eau, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, grâce au miel, nous produisons du café qu'on peut mettre directement dans le pain. Et ça, c'est un avantage important. Vous connaissez naturellement le bissap. Généralement, c'est un produit qu'on a en bouteille, avec une grosse bouteille d'eau. Aujourd'hui, le bissap se trouve très concentré dans ce petit bocal. Et ça, c'est du bissap à mettre dans le pain. Donc à part de tartiner du bissap, on met dans le pain et dans le pain. Ça, ce sont les avantages que nous avons. Ici, grâce au miel, nous avons un autre type de pâte à tartiner de cacao, mais qui, lui, ne contient pas d'huile. Il n'y a pas d'huile là-dedans. Et
cacao tout à fait digeste. Parce que vous allez trouver des carburants qui vont vous dire bon, mais écoutez, le cacao c'est bon, mais ne mangez pas par cette robe-là. Mais nous, notre cacao n'est pas gras du tout. Et il permet d'avoir en tout cas tous les bienfaits du cacao qu'on connaît. Nous avons aussi, nous sommes en train de mettre en place les plaquettes de cacao cru. Et ces plaquettes de cacao cru, c'est du cacao. S'il y en a pour vous, c'est du cacao que nous avons qui n'est pas cuit. Ce cacao n'est pas cuit parce que la cuisson détruit toujours un certain nombre de choses. C'est vrai que la cuisson révèle les senteurs du cacao, mais lorsque ce n'est pas cuit, il y a tous les bienfaits du cacao qui sont encore en place. Et aujourd'hui, nous faisons des plaquettes de cacao que nous plantons, qui sont là, et qui sont totalement comme les autres plaquettes de cacao que vous allez déguster tout à l'heure. Ça, c'est du cacao cru au miel. Il n'y a pas de sucre, il n'y a aucun rajout de graisse, il n'y a pas de rajout d'huile végétale, il n'y a pas de rajout de beurre de cacao. Donc, c'est vraiment du cacao pur qu'on peut manger, c'est très simple. Donc, c'est un certain nombre de produits. Et ici, nous avons un certain nombre de fèves. Les fèves crues, on les connaît. Aujourd'hui, les fèves crues sont très bien recherchées parce que les fèves crues ont aussi la capacité de conserver tout ce qui est cru. Tout ce qui est vitamines, tout ce qui est éléments. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de fèves crues avec des parfums. Ça, c'est le parfum qu'on va avoir sur la fève crue. Donc, vous aurez l'occasion de déguster tout à l'heure. En tout cas, ce sont des repas circulaires que nous avons créés grâce au miel. Sous le gouvernement de mon président, nous attendons de l'État ivoirien qu'il fasse la promotion des inventions de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes de nombreux inventeurs. Nous sommes au moins affiliés à la FEDENCI, au moins je crois 300 à 400 inventeurs reconnus. Mais au-delà de nous, il y a d'autres inventeurs. Il faut maintenant ouvrir des espaces aux inventeurs pour qu'on les connaisse. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être là. Tout le monde saura maintenant qu'avec le café, avec le miel, on fait ce genre de produit. Personne ne le savait, même dans le monde entier. C'est la première fois, à part les cappuccinos qu'on connaît, c'est la première fois qu'on voit des pâtes comme ça là, avec du café. Ça, si l'État peut nous permettre de le faire. L'État peut nous aider à organiser des foires. Lui, il se bat en tant que FEDENCI avec Bruxelles Innova, qu'il a créé ici, Abidjan Innova, qui est adossé à Bruxelles Innova. Mais ça, c'est son combat personnel. Dans certains pays, il existe des espaces où, à tout moment, il y a des expositions. Si l'État de Côte d'Ivoire nous donne cet avantage de créer des espaces où on peut exposer, tout le monde saura qu'il y a des inventeurs en Côte d'Ivoire. Et nous sommes nombreux. Là, honnêtement, je suis devant vous, mais je suis sûr et certain que, parce que vous ne lui avez pas donné la parole, je suis devant vous dire qu'on est nombreux. Et peut-être que je suis le plus petit même. Félicitations donc au docteur Héritier et à la société d'une des miennes. Au nom de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, je voudrais féliciter donc l'ensemble des médias qui sont ici. C'est ensemble que nous avons fait du chemin avec plusieurs parmi vous. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'invention en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de gagner la bataille, en tout cas de la communication. On est en train également d'avoir l'attention des autorités. Parce que cette année, 2019, il y a un prix que le chef de l'État a institué pour récompenser, encourager et pousser un peu la barque dans laquelle nous sommes pour que cela puisse avancer avec le prix Hassan Ouattara du jeune inventeur. Nous pensons que c'est un bon départ parce que quand le chef met la main à la charrue, et les autres personnes, les autres membres du gouvernement sont obligés de suivre. Et donc, félicitations encore à Dr. Héritier. Dr. Héritier, il est vice-président de la Fédération des inventeurs et innovateurs. Et il constitue avec un certain nombre un modèle d'évolution. Parce que vous savez, notre problème. Nous avons beaucoup de produits. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des tout nouveaux nés. On a la fève crue de cacao. Comme il a dit tout à l'heure, ce sont des grains de cacao que nous connaissons, qui ont été associés au miel.